Le budget de l'État pour l'année 2025 est fixé à plus de 15 339 milliards de francs CFA. Le ministre des Finances et du Budget présente le projet aux députés. Le budget de l'année 2025 s'équilibre en ressources et en charges à 15 339,2 milliards de francs CFA. Il s'accroît d'un taux de 11,8% par rapport au budget voté en 2024. Après la présentation du montant global, chaque membre du gouvernement va exposer sur le budget de son ministère. Nous avons basculé d'un mode budget de moyens au mode budget programme aujourd'hui. Donc tous les ministres sont obligés de venir défendre leur programme devant la commission des affaires économiques et financières. Le premier soumis à l'exercice, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Léon Kakou Adom obtient le quitus des députés pour un montant de plus de 146,936 milliards de francs CFA et plus de 4,775 milliards de francs CFA pour le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. C'était des discussions fraternelles, faites de compréhension mutuelle. Fin de compte, notre budget a heureusement été approuvé à 100% des votants, à l'unanimité des votants. Je voudrais m'en réjouir au nom du gouvernement et remercier les honorables députés. Ouvert ce lundi, l'examen du budget de l'État pour l'année 2025 avec le passage des différents membres du gouvernement est prévu prendre fin le 21 novembre prochain.